Et bienvenue, bienvenue dans ce tuto. Nous allons apprendre à créer un plugin Minecraft. Et ça, c'est cool. Mais pour faire cela, nous allons avoir besoin de plusieurs choses. Tout d'abord, avant de pouvoir suivre ce tuto, vous devez avoir quelques trucs de base. Les trucs de base, à savoir, prérequis, sont les suivants. Il vous faut posséder Minecraft à la fin premium de préférence. Mais une version crack peut-être aussi pour ceux à consommer d'avoir accès au multijoueur, bien entendu. Ceci est assez logique. Il est aussi nécessaire de connaître un minimum le langage Java pour l'interview. Sinon, vous n'allez rien comprendre à ce qu'on va coder. Ce qui serait bien entendu très dommage. Ensuite, nous avons quelques préliminaires à passer avant de vraiment s'attaquer au codage du plugin. Donc, pour commencer, maintenant que vous êtes au courant, on va pouvoir enfin faire les préliminaires. Si vous n'aimez pas les préliminaires, ne vous inquiétez pas, s'il n'y a pas de problème, voici la version. Il faut installer Nitilidge, Java 17, Minecraft et Spygot, et aussi lancer bien sûr le serveur Spygot et Minecraft. Si vous avez rien compris, ne vous en faites pas, il y a la version longue et là pour ça. Donc c'est parti. Tout d'abord, nous allons commencer les préliminaires de Java. Donc pour Java, il va falloir du coup vraiment vérifier la version de Java. Si en plus vous avez une version, donc ouvrez un terminal CMD sous Windows ou sous Linux et tout, vous savez, bref. Ensuite, nous avons plus qu'à taper Java version et faire entrer. Comme vous pouvez le voir, nous sommes à la version, je suis à la version 17, ce qui est bien, mais si toutefois vous êtes en dessous de cette version, ça ne fonctionnera pas pour la dernière version de Minecraft. Après, vu que là je fais pas du tout, on devait partir d'un point 17 et compagnie YouTube ou un point 18, je sais plus c'est laquelle. Bref, vous avez compris, donc pour la dernière version, il va falloir la Java 17. Donc, je vous invite à télécharger Java 17. Pour cela, il suffit d'aller tout simplement facilement, comme toujours, sur votre navigateur. Alors, vous tapez du coup Java 17, ce qui est assez logique. Ensuite, vous cliquez du coup sur le premier lien, sinon pire, il y a dans les liens dans la description de la vidéo. Vous pouvez descendre, arriver sous ces trucs de téléchargement. Vous regardez la version solo, votre système d'exploitation, moi c'est Windows, c'est en 64, j'ouvre l'installeur, je clique, je prends et après on enregistre et on le fait. Moi j'enregistre pas personnellement car je l'ai déjà la bonne version. Si vous l'enregistrez après, hop, et vous le lancez, soit ici, hop, vous l'avez, et ou sinon vous avez un chargement ou là où c'est mis, bref, vous débrouillez, vous le lancez, vous l'exécutez, et bien entendu, très simplement, vous allez suivre toutes les étapes. Je ne suis pas là pour vous expliquer, c'est illogique. En même temps, si vous suivez un tuto, vous savez tout, si vous savez déjà à suivre cette installation, c'est aussi simple que de marcher, franchement. Si vraiment ça vous a vexé, si vous n'êtes pas compris du tuto, arrêtez là tout de suite. Bon, pas là pour discuter des heures. Nous allons donc passer. Ah oui, juste un dernier changement. C'est que si jamais, après avoir quand même installé le truc et tout, vous refaites la commande et vous vous rendez compte que la version n'est toujours pas la bonne, il se peut que ce soit à cause de Eclipse. Vous avez Eclipse, il vous a parlé. Parce qu'en réalité, ça m'est arrivé, c'est qu'en réalité, Eclipse, ce salaud, il fait quoi? Il va prendre la version. Il va prendre sa version qui a priorisé, au lieu de celle que vous venez d'installer. Ce qui est, je trouve, très vache. Ce qui fait qu'en gros, vous débrouillez. Moi, ma solution simple, c'était de désinstaller Eclipse. Enfin, je crois que je n'ai pas juste désinstaller. J'ai dû me casser la tête. Je sais pas si j'ai désinstallé peut-être. Mais je m'ai cassé la tête dans les éditeurs de registre pour trouver la variable, pour la modifier, pour virer. Mais je vous dis, c'est un bordel. Franchement, je vous déconseille Eclipse. C'est pour ça qu'il y a l'éditeur. L'idée qu'on va utiliser, il est beaucoup mieux. C'est le meilleur idée au Java. Ensuite, du coup, vous avez deviné, on passe à l'installation de IntelliJ. Pour ça, vous allez devoir du coup l'installer. Donc, rien de plus simple. Ouvrez une nouvelle page. Allez tout simplement taper IntelliJ IDEA. Hop, le premier lien. Une fois que la page est chargée, c'est nickel, c'est tout beau, c'est tout propre, on s'en fout. On va dans télécharger. On est là pour ça, on n'est pas là pour discuter de les prix, de ce que fait IntelliJ et tout, si vous voulez vous renseigner. Ensuite, vous sommes arrivés ici. Vous avez du coup deux versions, l'Ultimate et la Community, comme vous remarquez, le DCMT. Et c'est de 30 jours. Donc, après les 30 jours, soit vous payez si vous avez l'arme charitable, soit tous les 30 minutes, ils vont vous dire, hey, désolé, vous avez écoulé le temps, et vous aurez relancé l'IDE. Mais pour le tuto, la community est largement suffisante, même si l'ultimate est largement mieux.
je vous dis que le community est suffisant. Donc vous pouvez télécharger le community, attendre, une fois que c'est fait, hop, vous enregistrez, bon, j'enregistre pas vu que j'ai déjà, et vous l'installez pareil. De toute façon, c'est très simple. Maintenant que ça c'est fait, nous pouvons passer à l'étape suivante. Il va falloir, je vous rappelle un petit truc, même si bon, je sais que vous l'avez, mais si, je ne sais pour quelle raison vous avez osé installer Minecraft, il faut le réinstaller immédiatement. Mais vraiment, si vous voulez pas réinstaller déjà, vous sortez de ce tuto immédiatement, je ne vais même plus vous parler. Et vous venez faire un tuto plugin. Minecraft, vous avez pas mis à installer, c'est quoi ce bordel? Enfin, pour ceux qui l'ont pas, ceux qui l'ont, c'est très bien, en même temps, c'est normal. Mal, au contraire, ce serait pas normal. Bon, passons du coup au primaire de Spygot. Donc pour cela, nous avons besoin, en fait, pour vous expliquer pourquoi le Spygot s'est passé, en fait, on a besoin, pour faire un plugin, ce qui est logique, d'un serveur. Sauf, bon, après, je pense que c'est pour ça qu'avec Spygot, mais on s'en fout ça. Enfin, on s'en fout, pas forcément pour vous. Mais du coup, nous avons besoin d'un serveur. Mais c'est gratuit. Spygot, on est juste à le prendre, l'installer, on peut le faire localement, et c'est gratuit. Du coup, pour cela, vous devez taper Spygot MC, attendre que ça charge, vous retrouvez dans cette jolie page. Une fois accédé à cette page, vous avez donc Toadoid, Spygot Build Tools. Et vous téléchargez le dernier Build Tools, celui-là. Vous attendez et vous enregistrez. Après, il y aura une autre solution si jamais le Build Tools galère à fonctionner, mais c'est le mieux Build Tools que vous pouvez choisir la version que vous souhaitez. Après, je vous montrerai une autre solution. Donc, ensuite, vous allez tout simplement quelque part où vous souhaitez créer un dossier, le dossier de votre serveur. Moi, perso, je vais faire sur le bureau. Nouveau. Dossier, vous l'appelez serveur tuto entrée. Une fois que vous avez là, vous avez juste à drag and drop le build tools que vous venez de télécharger, c'est-à-dire glisser des passés pour ce qui sont mieux, mais bon, si vous savez déjà coder un minimum, à mon avis, il était là, même un petit peu anglais, ça, vous comprenez. Donc, mettez le build tools. Ensuite, une fois que ça c'est fait, ouvrez un CD et à terminal. Sous Windows, petite astuce, vous cliquez là, vous marquez CMD. Et si toutefois vous préférez les terminals Linux, et si vous l'avez déjà sur le WSL, je passe de base et de l'install, vous pouvez taper WSL, faire entrer, et vous obtenez le même, mais via Linux. Ce qui est extrêmement cool pour ceux qui kiffent Linux. Mais qui sont sous Windows, ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Bref, nous allons du coup utiliser le truc Windows de base, quand même un minimum. Donc, nous allons devoir lancer le build. Mais pour cela, il faut vraiment. Pour du coup faire Java, tant donné que c'est un fichier jar, nous devons mettre titre jar, préciser à Java que nous allons utiliser un fichier jar. Bien entendu, pourquoi je fais jamais du compte? Car il faut préciser la version qu'on veut. -rev, ce qui sont mis comme paramètre, rev pour le nom, bref. Et ensuite, on met la version du jeu que nous voulons. Là, je mets la 1.18. Ça, c'est tout ça, vous pouvez remplacer la version que vous voulez. Et si vous voulez directement la dernière, au lieu de marquer ça, vous pouvez marquer la test. Je sais pas si c'est comme ça, mais bref, ok, dernier. Oh non. Du coup, moi, c'est 1.18.1. Et vous faites entrer. Ah oui. Excusez-moi. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Mais entre deux, il ne faut pas oublier, bien entendu, désolé, le nom du fichier que vous voulez exécuter. Sinon, comment voulez-vous? Et c'est après, -rev, ce que le fichier demande, que vous allez rajouter la version, comme je vous ai dit. Donc, ici, 1.18.1. Voilà. Ensuite, vous faites entrer et là en espérant qu'il n'y a pas de problème, sinon je vous montrerai en ce temps l'autre solution. Mais normalement, il n'y a pas de souci, ce qui permet du coup la version qu'on veut. Donc, on a juste à attendre et ça se fait. Les ceci s'ouvre et tout s'emplit. Bref, ça se fait. Si toutefois vous avez un problème, vous pouvez toujours aller sur Get Bucket, attendre que ça se charge, cliquer sur le premier lien, c'est plus rapide d'ailleurs, et là vous avez directement la dernière version. Mais je ne sais pas si on peut accéder aux autres versions, il doit certainement avoir. Faisable si on regarde dans Spygot, à mon avis, voilà, vous avez pas mal toutes les versions de disponibles. Donc, choisissez la version qui vous intéresse si vous avez la flemme de passer par Bluetooth. Comme vous voulez. Donc, vous aurez juste à cliquer là ou aller à la home page si vous voulez la version et cliquer sur le point jar, puis hop, en dessous et hop là, vous téléchargez, vous enregistrez et là. Là, je ne trouve pas en compte que ça fonctionne. Mais on verra après. Pendant toutefois que le serveur est en train de faire la première étape. D'ailleurs, j'ai pas l'impression qu'il va fonctionner comme la dernière fois, je sais pas pourquoi c'est bizarre, mais c'est pas grave, on a toujours la solution. Ensuite, vous allez tout lancer Minecraft. Donc, Minecraft Launcher pour les derniers launchers, mais je crois que j'avais aussi créé un raccourci, ouais, mais là, il faut que je rechange parce qu'il change de version chaque fois, il change le nom de dossier. C'est extrêmement chiant, mais bon. Si vous voulez peut-être un tuto, je ferai plus tard si j'ai la motivation. Mais on verra ça.
Du coup, vous lancez Minecraft. Hop. Ah, il y a un point 18.2 en fait sorti. Bon, vu que je lui en ai un point 18.1, ça me casse un peu la tête tout ça. Bah, c'est pas grave, hein. On a juste à créer un nouveau profil. Donc maintenant que c'était fait, on n'a plus qu'à l'exécuter. Et attends, bien entendu. Je pense. En attendant, on va voir ici. Ah, bah ça a l'air d'avoir fonctionné cette fois-ci. C'est parfait. Donc là, vous n'avez plus qu'à attendre que ça s'installe sans en télécharger tout ce qu'il y a besoin. D'extraire, en l'occurrence, ce qu'il y a téléchargé. Et vous attendez que ça finisse. Donc dans le dossier, petit à petit, ça va se compléter. Et à la fin, vous aurez le spydot de la version qu'il nous faut. Et on n'aura plus qu'à l'exécuter. Où je vous retrouve juste après et tout ça. Et voilà, c'est fini. Maintenant que c'est fini, vous pouvez voir dans le dossier que nous avons bien notre spygot à 18.1. Donc pour l'exécuter, bien sûr, je conseille d'exécuter la dernière fois que vous qu'on aura fini la première étape. La deuxième fois que vous l'exécutez sans, il va ouvrir une interface graphique. Ne vous inquiétez pas. Bon, du coup, on fait du Java, c'est déjà, chez Java, et on exécute du coup spygot. Je clique sinon il va ouvrir le dossier. Si après, Spyglot-LA, terminaison, il peut compléter tout ça. Bref, donc maintenant vous l'exécutez et vous patientez tranquillement. Ça va assez vite. Et normalement, il va vite et se plaindre en disant. Et la ELA n'est pas faite, c'est la ELA, c'est en fait affiché. Voilà, il dit. Qui en gros vous donne le lien vers la ELA de Minecraft. Il vous dit nanana, vous l'avez dit. Et si vous exécutez la ELA de Minecraft, vous pouvez passer ça à true. Donc on passe ça à true pour dire que c'est bon, accepté. Et ensuite on a juste à revenir là et l'exécuter. Sauf que il n'y a même plus besoin du terminal. On peut le fermer et on peut l'exécuter directement là en double cliquant dessus. Et on patiente. Ça va se faire, il n'y a pas de souci. Faut attendre juste un peu et après on. Ça fait qu'il va s'ouvrir. Vous voyez d'ailleurs qu'il finit de créer ses autres fichiers. Et voilà, c'est en train d'arriver si je suis cliqué là pour fermer. Et maintenant, c'est un peu long, mais il va falloir patienter la création du monde. Nickel, vous voyez bien, Dawn, c'est bon, il est terminé, il est content. Donc maintenant, vous pouvez aller sur Minecraft et vous connaissez donc multiplayer. Une fois que vous êtes en multiplayer, ouais, c'est pas vu. Donc multiplayer, une fois que vous êtes en multiplayer, vous allez soit dans Direct Connection, soit Add Server, soit les Add. Genre moi j'ai fait mon serveur pour l'ajouter comme ça j'ai tout le temps. Sinon Direct Connection, Unité Local Host ou Ajouter Serveur et Join Server. Et vous passez et vous arriverez sur le serveur. Bon là, petit problème, nous voulons programmer un plugin mais nous retrouvons en survie. Ce qui est un peu problématique pour attendre un peu normalement on va plus être en survie. Donc très bien. Vous revenez sur l'interface du serveur. Et vous hopez. Hopez. Hop, et votre pseudo. Moi ce sera MOA. Vous attendez, hop, enfin même pas besoin d'attendre, on le fait quasiment instantanément. Vous revenez ici, vous pouvez voir que vous avez été OP. Et donc maintenant, il suffit de faire un slash game mode créatif ou F3 plus F4. Et hop là, voilà, vous êtes en créatif. Et ça sera nickel pour la suite. Maintenant, enfin, créatif c'est pas forcément, enfin, c'est juste pour citer, mais c'est ce qu'on va avoir accès aux commandes pour Reload, le plugin et l'utiliser. Quand ça se fait, nous allons pouvoir commencer la création du plugin. Bon. Pour cela, on suffit d'ouvrir Intellige IDEA, d'attendre qu'il se lance, ce qui est assez rapide, pour moi c'est la version Ultimate, mais je vous dis, la community suffit largement. Ensuite, vous avez qu'à créer un nouveau projet, à tenter, hop, vous mettez Java classique, vous ne faites pas la tête, bien sûr, pour la version 17, très important du JDK. Ensuite, Next, que vous avez installé donc un truc tout seul, sinon vous faites ajouter, c'est bon. Ensuite, Next, vous arrivez ici, bon, moi je vais juste changer, donc vous donnez votre projet d'abord, moi je vais l'appeler plugin tuto pour juste changer son chemin parce que j'ai ouvert un projet dans le chemin de l'on, il me l'a laissé. Je veux dire, pour que j'ai un projet, je l'avais fait là, ce qui est pas très pratique. Je vais le remettre dans son dossier spécial qui se trouve ici. IDEA Project, c'est le problème. Il faut que je rajoute, donc je préfère le slash, je mets un backslash et je vais le nommer pareil plugin tuto. Ouais. Mais normalement, vous aurez juste à marquer ça, il va l'auto-compléter et le mettre ensuite. Finish. Et vous vous retrouvez directement dans le bon dossier. Sinon, je vais juste faire voir. Mais non, c'est bon, il m'a fait bugger du tout. C'est juste qu'il me l'a demandé bizarrement. Bref. Donc, maintenant que c'est créé, on a juste à commencer le tuto. Mais on va avoir besoin d'une librairie.
La librairie de Spybot, une boutique, je sais plus. Mais c'est la librairie qu'on va avoir besoin pour les plugins. Du coup, nous allons aller sur Internet. Hop, ça, on peut fermer. Nous allons donc aller sur Spybot NC. Hop, ça nous a fait directement le chemin vers où on va aller. Pas pile l'abbaye, ça vous cherchez. Donc, vous allez dans Hub. Donc, vous êtes sur Spybot, descendez, vous avez accès au Nexus. Faites entrer dans le Nexus. Vous attendez un peu, c'est pas très long. Et voilà. Ensuite, vous cherchez Spybot API. Et là, vous avez sur la version. Ah, d'ailleurs, ils viennent de sortir une version pour 1.18.2. Intéressant. Sauf que là, je suis en mode 1.18. Donc, on verra ça plus tard. Bref. Du coup, show all version. Vous attendez et vous cherchez la version que vous voulez. Sauf si c'est la dernière, vous pouvez directement la prendre. Donc là, moi, c'est 1.18.1. Je cherche 1.18.1. Hop, je veux la version jar. Je clique dessus et vous enregistrez. Et voilà, nickel. Et du coup, maintenant, il va falloir l'ajouter. Donc, pour cela, vous retournez sur Intellidge. Vous allez dans File, Project Structure, dans Librairie. C'est une librairie qu'on va ajouter, plus Java. Une fois que vous êtes ici, vous avez juste à chercher votre librairie. Ben, ce que vous n'étiez cherché. Donc, dans Android, hop, c'était Spy.API. Bon, là, j'en ai un autre, c'était celui de la dernière fois, quand je fais la version. Anglaise, sauf que du coup, ça change de version. Du coup, je prends celui-ci. Ok. Ok. Disons qu'il ajoute au projet plus tuto. Et maintenant que ça, c'est validé. On peut lui dire appliquer. Parce qu'on veut qu'il applique quand même la librairie, on en a besoin. Et ok. Et voilà, maintenant nous sommes prêts à coder le début de notre plugin. Donc, pour commencer vraiment un plugin, il nous faut, très important, un fichier qui s'appelle plugin.yml qui va permettre de dire à Minecraft qu'est-ce qu'est notre plugin et tout. Les informations du plugin. Donc, plugin.yml. Hop, le fichier il sera créé. Et maintenant, nous allons devoir remplir des informations. Un nom, name. Ce nom, c'est le nom de votre plugin. Donc, ici, ce sera plugin tuto. Ce 0 inspiration. Auteur. Donc, l'auteur. C'est l'auteur, donc celui qui crée un plugin. Donc, normalement, c'est vous. Après, vous pouvez toujours remplacer par votre pseudo ou ce que vous voulez. Moi perso, je vais mettre mon pseudo, même si on a besoin de mettre le pseudo, ce qui est logique. Mais bon, mettez ce que vous voulez. Ensuite, version, la version de plugin. Donc, vous choisissez si vous voulez que ce soit la version 980, la version 98.999. Vous pouvez, mais ça respecte pas forcément les. Son quoi. Ça, ça peut voir. Je sais même pas si on peut mettre quelque chose contre une autre compréhension, mais ça, je vous laisse voir. Mais normalement, si vous voulez utiliser en 1.1, 1.2, 1.3. Bref, juste là pour moi, c'est une version bêta alpha. Je vais mettre 0. Quelque chose, 0.1 quand même. Mais voilà. Ensuite, nous avons la description. C'est la description qui décrit votre plugin. Donc, on va dire que c'est un plugin de tuto pour. Je vais dire un plugin de tuto. Si jamais, même si normalement c'est que pour YouTube. Bref. Ensuite, main, comme on peut rappeler, c'est le chemin vers votre classe principale. Donc, classe qui fera office du centre, faut que ça se passe pas du plugin. C'est logique. Le main, quoi. Mais, on verra ça après parce qu'on n'a pas encore créé la classe. Ensuite, vous avez l'API version, qui est la version de l'API. Elle se rapproche très fortement de la version de Minecraft, sauf qu'en fait, vous n'avez pas besoin de préciser derrière les points 1, point 2, point 3, genre 1.18, point 1, point 2, point 2, vous dites juste 1.2. C'est logique parce qu'entre deux, il n'y a pas. Rien de douter, c'est plus des corrections de bugs et toutes des adaptations des objets existants, c'est juste des modifications de variables. Donc, ils se cassent pas la tête à faire des autres versions. Si jamais ils ont un point à jour, peut-être qu'ils le font. Mais, voilà, du coup, ce sera 1.18. Sachez toutefois que c'est à partir d'un 1.13 qu'il faut mettre l'API version. Avant, vous en avez et pas besoin. Bon, on ne sait pas pourquoi, je ne sais pas, ça dit pas comment il était fait. Et la librairie qu'on utilise. Bon. Ensuite, et ce sera tout pour le moment. Vous pouvez sauvegarder ce fichier. Donc maintenant, il nous faut notre classe main. Classe qui va exécuter le plugin et tout, mettre tout ce qu'il faut. Donc, il nous faut une nouvelle classe, Java, que nous allons nommer et le nom de notre plugin, ce qui est plus logique. Même si normalement, vous pouvez nommer main comme vous voulez. Plugin tuto. Cette classe, pour qu'elle étende Java plugin, parce que c'est un plugin. Je peux dire ça, c'est l'entrée, c'est notre plugin, cette classe. Et elle va utiliser le truc à mon esprit. C'est cette classe que nous créons. Voilà, c'est la programmation objet. Vous connaissez
C'est déjà un peu logique. Bon, du coup, nous sommes arrivés ici. Et maintenant, nous avons techniquement déjà le plugin. Par contre, je l'ai mis là. Normalement, ça passe. Mais si on va respecter la convention, il faut créer un nouveau package que vous allez mettre. Pour respecter la convention, normalement, c'est quelque chose comme org, ouais, votre pseudo, mais tout minuscule, jamais de majuscule, ou autre chose. Hop, après, du coup, on met un point. Vous mettez le nom de votre plugin, et c'est bon. Normalement, c'est un truc du genre. Vous pouvez aussi remplacer org par le nom abrégé de la langue, ou du pays, je ne sais plus. Je crois que c'est du pays, j'en sais rien. Pas du tout, FR pour français, et EN pour anglais, par exemple. Perso, je vais mettre fr.mw.plugin du tout, ou la France, mon pseudo, et le nom du plugin. Faites entrer, et du coup, vous décalez juste celui-ci là-dedans. Et ce sera amplement suffisant. Même normalement, je pense que ça fonctionne sans, mais vu que j'ai pris l'habitude de le mettre dedans, je vais le mettre dedans. Du coup, après, dans plugin.html, vous avez juste à vous compléter. Donc, le nom de votre package, moi c'est fr.mw.plugin tuto. Maintenant que ça c'est fait, vous remettez un point et vous lui dites la classe qu'il doit utiliser. Je crois que vous avez nommé main, vous saurez. Et puis mettre main, par exemple. Moi là, ça se nomme pareil. Donc, plugin tuto. Et voilà. Et donc là, vous pouvez sauvegarder. Et maintenant, les deux trucs sont sauvegardés. Par contre, pour tester, il faut transformer ça en point jar. Faire une archive de point jar. Bref. Un point jar. Donc pour cela, très simple, l'IDE fait tout pour nous, bien sûr. Mais il faut qu'on lui dise donc file. Project structure, dans artifact, on lui dit que c'est un artifact, jar. Ce jar, ce sera, on fait from module one dependency, comme c'est du complet déjà prêt et comme on veut. Hop, vous laissez de base, vous faites OK. Donc là, c'est bien de templater. Par contre, on lui dit, il faut qu'il nous include une prochaine build, comme ça, dit qu'on cliquera sur le marteau vert. Quand il va le build, il va directement créer l'artifact. Ensuite, il faut qu'on lui dise le dossier. Là, on ne veut pas le mettre ici, ça ne nous intéresse pas. On veut directement pouvoir le tester sur notre serveur. Erreur. Donc, pour cela, vous allez tout simplement retrouver le dossier là où vous avez mis votre serveur. Donc, moi, c'est sur le bureau, dans serveur tuto. Vous y allez et vous cherchez plugin et vous lui dites, mets-moi le point jar dans le dossier plugin. Hop là. Et il vous le mettra directement dedans. Et après, on aura juste à reload le serveur pour qu'il le sache. Là, je vais l'utiliser. Ensuite, par contre, ça. L'extract expérience API, c'est-à-dire qu'en gros, ils veulent inclure dans le projet à l'API. Sauf qu'on n'a pas besoin, ce serveur l'a déjà en lui. Et en quelque sorte, donc, on n'a pas besoin. On peut l'enlever. Maintenant, on a juste à faire à appliquer. Et on peut faire OK. Maintenant que ça s'est fait, normalement, si on build, on patiente, il va être un peu long. Il faut qu'il crée l'archive et tout. Et normalement, si tout est bon, vous pourrez aller sur le serveur. Sur le serveur, pas sûr. Ça passe. Directement en jeu sur Minecraft et vous pourrez taper slash pour reload slash bucket. Ça évite de éteindre le serveur, ce qui est assez long. Faites slash bucket 2.reload. Par contre, quelquefois sur un plugin, ça peut galérer, mais ça dépend ce que vous faites du plugin. Je vous laisserai voir. Hop. De toute façon, ils le disent ici. Ou vous oubliez. Maintenant que le reload est compatible, pour l'instant, on pourra rien vérifier s'il existe ou pas, puisqu'il n'y a rien. Pas en faisant normalement un slash plugin. Vous voyez que le plugin est. Mais on peut rien y faire. Ou vous allez directement ici dans l'interface du serveur et normalement vous avez vu comme quoi vous avez deux lignes qui dit que le plugin tuto vient d'être chargé et qui vient été admis. Activé. Excusez-moi. Hop là. Du coup c'est nickel. Mais maintenant on va devoir mettre vraiment créer un plugin. Je vais pas juste dire voilà et maintenant démerdez-vous. Vous allez me dire comment on fait ensuite. On va créer des commandes. Mais avant, il faut aller là-dedans. On va devoir override des méthodes, donc alt insert comme raccourci, override methods, on va devoir override le onEnable surtout, mais j'adore à ce que tu fais l'onEnable, comme ça j'ai les deux. Par contre, ce que je dis, c'est que tu fais l'onEnable avant, mais ça c'est pas grave, vous avez juste à le redescendre, et hop là, ça c'est fait. Maintenant que vous êtes là, c'est nickel, il suffit donc. Là-dedans, en fait, le debug va nous servir pour lui dire tu utilises telle commande et telle commande. Mais avant, faut lui dire que les commandes existent. Pour ce faire, on n'a même pas encore réellement besoin de ça. On doit juste aller ici, ajouter commandes, et là on va lui dire on a telle commande et telle commande. Donc, pour les commandes QB, bon, commande exemple qu'on va faire, ça va être la commande plugin
tout. Mais je crois que les munitions de l'institut, ils prennent pas compte. À vous de voir après. Mais tant que j'avais déjà testé, ils n'aiment pas les munitions de l'institut. Ou c'est le méfroid sur tout. Mais du coup, là, on va dire plugin tuto-info. Pour les infos du plugin. Même si on va avoir d'autres moyens pour les infos. Mais là, on va faire. Hop. Et du coup, ensuite, il faut mettre la description du plugin. Donc, le plugin, là, on va lui dire ce sera. Donc là, non, la description, pas du plugin, excusez-moi, la description de la commande. Donc là, affiche les informations du plugin. Ensuite, vous avez aussi alias. Alias qui permet en gros de donner des autres commandes qui font la même chose. Je veux dire, tu peux taper plugin tuto-info ou par exemple taper pt-info ou aussi pourquoi pas pt-info. En plus d'abrégé, après on pourrait aussi rajouter quelque chose comme pt-info. Pourquoi pas. Mais bon, nous sommes pas là pour ça. Ensuite, il y a aussi après des histoires de permissions que je n'ai pas encore signées, donc je vous laisserai voir par vous-même. Mais on peut aussi les gérer nous-mêmes, les permissions, sans les mettre là. Même si je pense qu'il y a un intérêt de les foutre ici. Mais bon. Ensuite, nous pouvons faire plugin tirer. Et là, on va créer une commande. Nether. Cette commande, elle va faire quelque chose de très très simple. Elle va juste placer un bloc de Nether. Ensuite, en alias. On va mettre du coup pareil. On va passer à la tête. Je vais vous donner un exemple. Hein, mais c'est pas obligé forcément de mettre des alias. Des netheries. Voilà, on fait péter la maison. Ensuite, on va encore mettre deux dernières commandes. On va en mettre une plugin tuto-msg. On va faire un truc simple, pas très utile. Non, faut pas être utile. Voilà. Elle va faire un broadcast. Parce que vous pouvez, elle va afficher tout le et tous les joueurs le message passant par lettre. C'est en paramètre. C'est-à-dire le message qu'on va rajouter derrière le début de la commande. Et voilà. Donc en alias, on va faire pareil. Pt-msg. Pt-msg et péter le message pour bien que ce soit cassé. Ensuite, dernier et truc plugin slash plugin. Ah non, pas slash, excusez-moi, c'est d'habitude. Mais si vous mettez un slash et vous rajoutez quelque chose derrière, ça va faire comme une commande word edit où il faut mettre double slash dans Minecraft. En gros, vous avez besoin de poser le slash, je ne sais pas, vous utilisez deux ans. Mais si vous en mettez un, ça doit dans le jeu, comme par exemple avec word edit. Mais là, pour l'instant, disons, nous allons pas faire ça. Donc, plugin tuto tirer et on va mettre bloc donc description pareil on va pas se regarder afficher non c'est pas afficher excusez-moi je sais même plus mais comment c'est on va placer le bloc passant par enfin, passant par mais c'est pas le bloc en lui-même c'est le nom du bloc on va passer par c'est un peu comme avec la commande on se lâche le bloc de Minecraft juste pour vous montrer bien comment dit chaque commande comment. Et c'est pour aborder surtout un point précis de création du plugin. D'après, bref. Ensuite, nous avons ça de fait et ce sera tout. Mais genre, je vais juste faire les alias, comme les autres. Tirer bloc et péter bloc. C'est pas possible. Même ça peut porter à confusion. Et voilà. Sachant qu'on n'est pas obligé de refaire un solide. Mais bon. Et maintenant, si on fait juste reload comme ça. Automatiquement, Minecraft il sait qu'il y a telle commande, il va nous proposer. On peut déjà essayer. On rebuild. Vous n'acquisez pas le temps qu'il rebuild, vous allez juste d'aller dans Minecraft et de taper. Il y aura un rebuild entre le moment où vous prenez. D'ailleurs, au lieu de taper tout ça, vous pouvez juste faire flèche du haut, comme sur un terminal, pour récupérer le truc d'avant. Ou ce que vous avez bien tapé avant. Et donc là, on voulait le kit de point reload. Et hop là, reload complete. Maintenant que le reload est complete, on n'a plus qu'à tester. Donc, slash. Et on rajoute. Et là, on n'a même pas besoin d'ajouter. Déjà, on voit qu'on a plugin tuto, les autres et tout. Bien sûr, si on le lance, ça ne fera rien. Rien du tout. Ce qui est tout à fait logique. Même si on fait celui-là. Là, ou n'importe lequel. Mais on va s'en occuper juste maintenant. Petit à petit. Donc, on va passer pour la première commande. Donc, comme je vous l'ai dit, on aura besoin du onin. Si ils veulent pas vraiment, je vais le mettre. Après, vous pouvez toujours ajouter des messages ou enlever des trucs que vous avez eu besoin entre vous. À vous de voir quand vous créez votre plugin. Ce que vous avez besoin. Donc là, pour créer une commande, on va séparer cela dans un nouveau package. Pour bien ranger. Donc ça sera le package des commandes. Donc commands. Hop là. Et dedans, on va créer la commande. Et la classe qu'il nous faut pour notre première commande sera la commande info. Donc info commande. On va l'appeler. Ceci ne doit rien extendre, mais doit implémenter des trucs qui vont nous servir. Les trucs utiles, ce sera commande
commande exécutant. Voilà, ça m'a écrit exécutant. Voilà, et voilà, et on implémente du coup ce qui demande le on commande. Et ça, cette fonction sera exécutée à chaque fois qu'on lancera la commande. Mais là, tout de suite, il se dit, quelle commande j'exécute avec ça? C'est et justement là qu'on lui dit laquelle. Donc, pour ça, et c'est pour ça que le plugin.yml est utile, c'est qu'on lui dit getCommand, qui va aller chercher automatiquement dans le plugin.yml, sauf qu'il faut lui dire quelle est la commande. Donc, là, en l'occurrence, c'est la plugin tuto-info. Et ensuite, on lui set l'exécuteur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va être là. Qu'est-ce qu'on lance comme fonction quand on exécute. Et là, on va lancer tout simplement la fonction onCommand de notre classe onCommand. Donc onCommand, et c'est bon. Il va automatiquement parce qu'il cherche une interface de type commande exécutant pour exécuter ceci. Il y a des autres trucs, mais en tout cas, c'est pour exécuter celui-là. Donc on lui dit ça. Bien sûr, là, si je fais comme ça, il ne veut pas. Il veut un new info command. Et voilà. Après, là, vous avez un warning parce qu'il se dit et ça, ça peut être nul la quête commande. Si jamais il n'existe pas. Donc vous pouvez replacer par un objet de point vraiment nul. Ou faire un if, bâtissant ou pas. Faire une variable, faire un if et ensuite utiliser, etc. etc. Bref, vous connaissez les solutions. Ou un try catch pourrait aussi fonctionner. Dites, là, on a du coup notre commande qui peut s'exécuter. Et donc on arrivera là. Maintenant, on va vouloir qu'elle fasse quelque chose. On va vouloir qu'elle affiche un message. Donc, command sender, send message. Command sender, en gros, c'est celui qui envoie le message. C'est du coup le sender. Après, c'est marqué command sender parce que bon, c'est du type là, c'est ce type, c'est pour ça. D'ailleurs, moi, j'aurais bien renommé de base, c'est pour ça que des fois, je me suis fait une classe qu'après j'hérite, une classe by iCommand que j'hérite pour les autres. Comme ça, il me remplace automatiquement mes noms variables. Et ça, à chaque fois, je mets sender. Ici, je mets cmd en abrégé. Là, le string, c'est le nom de la commande, donc un petit peu le name ou le label de la commande, si vous préférez. Et string, ben, c'est les arguments. Donc, quoi. Ce qui est un peu. On a appelé ça string. Donc, avec. Mais bon, c'est comme ça qu'ils ont. Et ensuite, du coup, ici, et quand on fait commande sender.sendMessage, on envoie un message à celui qui a tapé la commande qui est exécutée. Donc là, on peut. Vous voyez, par exemple, bonjour. Même si ça n'a aucun sens, c'est parce qu'après, on a besoin d'écrire le plugin. Parce que oui, on pourrait écrire comme ça le plugin. Plugin. Version 1, sauf que c'est un peu chiant. Imagine, vous marquez c'est la VR 0.1, vous changez ici, vous dites ah merde, il faut que vous à chaque fois de changer ici. Mais justement, tout est prévu pour la récupérer. Parce que là, si on exécute comme ça, si on reload que vous exécutez les infos, vous voyez bien, c'est cool, c'est affiché, ça fonctionne. Mais si on change là-bas, il va pas chercher le mouvement. Et justement, on va faire en sorte qu'il récupère parce que si on va ici. Qu'on va dans la classe elle-même, on peut le dire du tout, en fait, on a quelque chose. On a getDescription qui nous permet d'obtenir la description et d'avoir ce dont on a besoin. Sauf que bon, c'est bien beau, mais c'est pas à statique cette méthode. Ils ont besoin d'une instance. Donc il faut créer une instance de notre classe. Et là, c'est aussi. Donc, public, parce qu'on va pas en créer une alors que Buckit et Minecraft, ce qui gère le plugin, l'a déjà. Et du coup, si on en crée une, nous, on n'aura pas forcément tout. Identiquement en pareil, même si pour là ça va pas changer, vu qu'on ne change pas plein, on ne change pas plus une YML comme ça, mais du coup, je pense que c'est pas pratique. Du coup, c'est on fait un privé d'ailleurs, pas public, on va faire un get, toujours avoir des attributs privés sans qu'il fasse exception, vous êtes sûr qu'il peut modifier comme il veut, mais ouais. Donc là, c'est private statique, c'est pas final puisqu'il se modifie à chaque fois qu'il en fera un constructeur, donc ça sera une instance de plugin du tout, et on appelle ça une instance. Puisque c'est une instance. Ensuite, il nous faudra du coup alt tiers le constructeur. Et dans le constructeur, ce qu'on fera juste. Non, même pas le constructeur. Parce que le constructeur, on va le laisser faire ce qu'il veut. Mais on pourrait mettre dans le constructeur. Mais à quoi bon changer l'instance si le plugin n'est pas activé? Puis ça nous évite de rajouter une méthode. Mais normalement, dans le constructeur, il n'y a pas de soucis, ça fonctionne. Mais vu que j'ai fait comme ça la dernière fois, je préférerais réparer. Instance égale. Après, oui, il y a toujours. Comparer ceci, cela, mais là ça fonctionnera largement. Ensuite, vous avez juste à créer un getter, donc alt insert getter, vu que l'idée est là pour faire le travail pour nous. Et hop là, vous pouvez get l'instance automatique, ce qui est nickel. Maintenant qu'on a le getter, on va pouvoir passer dans la commande et du coup get notre instance. Donc
au lieu de faire ça, on va pouvoir rajouter tout ce qu'on a besoin. Plugin tuto.getInstance. De getInstance, on fait getDescription. Là, du coup, on a les descriptions du plugin. Mais c'est pas la description, c'est la description tous les détails du plugin.html. C'est-à-dire le nom, l'auteur, la version, les descriptions, l'application, tout. Donc, de tout ça, on récupère ce qu'on veut. Donc, oui, on récupère la vraie description. Ce que je vais faire, ou le nom, la version, le fullname, le main, le préfixe et tout. Pour cet exemple, bien sûr, je prends le getDescription. Et ça, du coup, c'est extrêmement bien. Bien sûr, là, il se plaint aussi que c'est pas nul. Tu peux faire, par exemple, un assert pour dire ne t'inquiète pas, bro, ce n'est pas nul. Bien sûr, on pourrait rajouter des versions et tout, bien détaillé. Mais là, c'est un tuto. À la quelque chose d'ultra propre, ça serait pour continuer derrière à dire ok, mais là. Donc, maintenant, ça c'est fait. Et on a juste à rebuild, on patiente, on revient, on reload, ce qui est assez rapide au lieu de restart. Et maintenant, on pète un coup les infos et ça nous donne un plugin de tuto, ce qu'on avait mis dans la description du plugin.yml, comme vous pouvez voir ici. Donc, c'est nickel. Et maintenant, on va passer du coup à la commande suivante. C'est du coup la commande plugin tuto nesot. Donc, pareil, new Java class, nesot. Commande et hop là, et là on implémente pareil le commande exécutant alt country implement méthode pour implémenter la méthode en question, et voilà, on arrive au même stade. Et bien sûr, dans le tuto, on fait pareil, on utilise, on lui dit quel exécuteur il doit utiliser. Donc, plugin tuto-nesrit, et après, du coup, vous faites un set exécutant. Donc, certains me diront oui, mais pourquoi tu fais pas une app? Déjà parce qu'il faudrait mettre tous les paramètres ici, commenter tout, ce qui est assez long, c'est simple. Même si l'idée pourrait nous simplifier en faisant un new commande exécutant, comme ceci, on dirait. Et après, on fait ça, et on fait ça. Sauf que regardez, certes, on peut. Certes, après là, on fait, mais c'est faisable. Vous pouvez si vous voulez, mais je trouve que ça en comble l'enable si plus tard vous avez besoin de faire des choses. C'est toujours mieux de séparer. Surtout que sinon, dans les commandes, après vous avez besoin de plein de paramètres, plein de trucs. Vous utilisez uniquement cette commande, donc vaut mieux toujours séparer. C'est juste ce que je pour ensuite new, parce que vous n'êtes pas convaincu, débrouille new desorite commande, et voilà. Et du coup, là pareil, on va enlever le warning, même s'il n'y aurait jamais eu de problème normalement. Et là, on optimise les portes de café, vu que j'ai ramené des trucs inutiles du fait que j'ai voulu faire une lambda. Bon, maintenant nous arrivons ici et on revient là, et là on va pouvoir compléter donc ce qu'on veut. On va pas exécuter pour prouver puisque ça va rien, on sait qu'il fonctionne. Donc on va vouloir placer un bloc. Pour placer un bloc, il nous faut quoi? Il faut savoir où on fait placer, donc les coordonnées. On va prendre les coordonnées, on va prendre celui les coordonnées de la personne qui vient d'exécuter, parce que ça fait gérer deux tables. Donc on va faire simplement savoir donc récolter les coordonnées. Sans pour les coordonnées, sans un joueur, imaginons que je l'exécuterai ici. Là le serveur n'a pas de coordonnées en lui-même, il ne pourrait pas en faire quelque chose. Donc, il faut vérifier que celui qui exécute la commande est un joueur. Donc, on a juste à faire command center instance of pour demander si une instance de E et on demande cette instance de joueur. D'ailleurs, on va rajouter player derrière qui va permettre de directement créer une variable player pour utiliser par là. C'est comme la variable, c'est exactement celle-ci, mais juste bien l'instance en mode player pour qu'il nous propose automatiquement. Il ne se plaît pas à l'instance, il nous propose des trucs nécessaire dans player, parce que si on fait common thunder point on a un petit problème. Bon, on va se dire un bloc qui peut le placer. Vaut mieux pas, faudrait pas qu'un joueur en survie le place. Après, vous savez qu'un bloc, mais vous pouvez vous dire que les joueurs OP le placent. Personnellement, je trouve que pour un bloc, c'est comme un set bloc, on peut l'autoriser pour le joueur non OP. Enfin, c'est un set bloc. Après, vous pouvez vous dire créatif tout, c'est pas bon, je veux pas les commandes blocs comme vous voulez. Et là, pour l'exemple, c'est que de la nésorite, on va autoriser. Faut juste être en créatif. Donc on va dire player. Point. Du coup, pour savoir si c'est en créatif, on est juste à get le game mode qu'il a. À get le name, ce sera plus simple. Et on lui demande si est égal à créative. C'est-à-dire, comment je sais que c'est en majuscule? C'est parce que j'ai testé et que du coup je le sais. Mais sinon, vous aurez juste à faire un affichage avant ou vous renseignez dans les documentations et vous le saurez. Du coup, si tout ça est bon, on peut passer dans le if et commencer à placer le bloc. Donc, il va nous falloir la location du joueur. Get location. On va dire qu'est-ce qu'on en fait de la location. Alors en fait, chaque location a techniquement un bloc. Donc assigné, que ça soit un bloc terre, n'importe quoi. Donc on a juste à récupérer de cette location le bloc assigné. Et de là, ce que vont faire, c'est qu'on veut changer le type de bloc. On veut passer par exemple d'un bloc du bois
un bloc d'obsidienne, un bloc d'air, un bloc de netherite bloc. Donc, c'est type. Et là, pendant cet exemple, c'est netherite. Donc, on place un bloc de netherite. Il nous dit qu'il faut quoi ? Un matériau. Je dis, bon, matériau, peut-être un new. Sauf qu'en réalité, vous faites juste passer un point, vous avez une liste de matériaux. Je prends un new. Niveau mémoire, ce serait astronomique la quantité. Les gens de Minecraft en mode, si vous voyez combien ça pompe, dites-vous que si il n'y aurait pas ce système-là, ça ferait que chaque bloc qu'il y a, il y a le même bloc, quasiment les mêmes données dans la mémoire. En triplant, quadruplant, centaines de milliers, ce serait pas optimisé. C'est pour ça que nous, on passe pas les générations. De toute façon, si vous faites un new, je ne pense pas qu'il soit d'accord. Si on est toujours là pour tester. C'est comme ça qu'on matériaux, vous voyez bien. Ah, matériaux, non. Parce que matériaux, en réalité, c'est une énumération. Avec juste des méthodes, mais c'est une énumération. C'est pour ça. Et d'ailleurs, il y a E pour la plus comme énumération. C'est souvent parce que vous ne pouvez pas instancier un objet de matériaux. On a déjà tous les objets qui n'ont pas besoin d'en instancier. C'est normal. Parce que sinon, ça irait pas niveau mémoire. Des erreurs de bloc. Et ce serait pas du tout optimisé. Ça perdrait trop de temps pour charger des chunks. Vous friserez à chaque fois que vous avancerez. Et pour générer un truc qui friserait, ce serait aberrant. Et niveau mémoire, ça, non. Ouais, c'est juste d'optimisation, mais c'était pour vous expliquer pour tout ça. Et du coup, maintenant, c'est bon. Le bloc, il est passé, on a tout. Et c'est nickel. D'ailleurs, on pourrait placer ça à truc aussi pour ça. Oui, c'est bon, la commande s'est exécutée. Et là, pour le moment, on s'en fout un peu. C'est pas l'objectif, mais vous pouvez. Ça peut être utile pour je ne sais. Mais bon, là, c'est juste pour vous montrer comment faire des commandes pour certaines choses. C'est vraiment là, placer un bloc, changer. Il y a un bloc, c'est pas utile pour certaines personnes pour des plugins. Bon, maintenant que ça s'est fait, on revient ici. Excusez-moi. On regarde l'oïde. Et maintenant, si peut péter un four qu'on veut tester, c'est péter de la netherite. Et voilà, on a pu péter la netherite. Bon, il n'y a pas de son parce que sinon ça faisait beaucoup. Si vous avez écouté la version anglaise, vous avez écouté. Vous pourrez entendre, il y a beaucoup trop de son de Minecraft, c'est chiant. On entend des boutons gueuler H24 et des fois de la musique. Mais bon. Pour une heure, j'ai pas envie de le faire, sachant que j'ai pas forcément fait des études anglais et que j'ai fait, c'était pour un truc en anglais, non. Oui. Mais j'étais un peu pour tout motivé, c'était de base. Mais là, j'en compte pas. On va passer à la commande suivante. Donc, la commande suivante, c'est tout simplement la commande MSG, la commande message. Donc, pareil, on crée une nouvelle classe qu'on appellera MSG commande, même si on veut. On implémente le commande exécuteur, on implémente les méthodes. Et voilà, c'est parfait. Ensuite, dans plugin tuto, on a juste à l'ajouter. Donc, get, commande, instance, qu'on va appeler plugin tuto-msg, qu'on n'appelle pas parce que c'est le nom que je lui ai donné. On dit laquelle on veut. Ensuite, c'est exécuteur. Du coup, un new msg commande, l'appareil. Et ça peut être nul la commande. Tu lui dis, ça requiert quelque chose de non nul. Et c'est bon. Et maintenant que ça c'est fait, c'est donc relié. Ils sont donc bindés pour exécuter ça. C'est nickel. Et maintenant. C'est par cul. On veut donc créer un message qu'on envoie à tout le monde, un broadcast. Donc pour cela déjà, il faut savoir le message qu'on envoie. Donc, le message, c'est ce qui restreint en arguments. On va vouloir récupérer tous ces arguments. Donc on aura juste à faire un for each sur le tableau pour récupérer chaque élément et les ajouter. Parce que s'il y a des espaces, en fait, chaque espace, ça c'est pas un argument. C'est comme ça que c'est fait. Donc, on va devoir faire un for each et rajouter des espaces sur chaque seconde. Sauf que, faut stocker tout ça, du coup, dans une arme. Donc, on va créer un string builder pour créer du coup, un strings. Et je ne tape pas du vêtement. New string builder. Hop. Du coup, on fait un for. Dans ce for, tout simplement, on fait un for, comme je dis, sur ce qu'on veut. Donc, un for each, donc string. On va nommer ça MSG, même si c'est une partie de MSG. Donc deux points pour dire qu'on peut faire un forage sur et sur ceci. Strings. Et voilà. Et du coup, pour chaque truc, on a juste à faire sb.append. On append le message. Et on a juste à append derrière un espace. Parce que même si le dernier a un espace en plus, ça ne changera rien à l'affichage. Et maintenant que ça c'est fait, on aura juste à l'afficher à tout le monde. Je viens de faire un truc. C'est, on veut pas que tout le monde envoie un message, tout le monde. Ce serait beaucoup trop chiant. Imagine, quelqu'un en survie un jour qui vient de se connecter à votre serveur, comme ça, tranquille, et en survie, il s'amuse à fouiller les commandes, parce qu'il y a donc fouillé les commandes, parce qu'il y a rien. Il voit ça, et il essaye de mettre un message. Mais il met n'importe quoi.
soit il se fait sa pub, soit il met et des insultes, ou on sait pas, je vous laisse imaginer ce qui pourrait être. Mais ce ne serait pas possible, normalement, ça doit être que les amis qui peuvent faire ce genre de message. Du coup, bah, on va vérifier que ce soit un ami. Donc, pareil tout à l'heure, Command Center Instance. Ah, son mère fond, on vérifie, c'est bon. Je ne dirai pas, donc Command Center Instance of Player. Donc, déjà, on regarde ça jouer. Bien, on veut pas jouer, on veut un admin. Justement, un admin. Quand je dis admin, c'est quelqu'un qui est OP. Donc, on a juste à vérifier que le player a accès aux commandes. Donc, add player.isOP. Et voilà, tout est fait. Et du coup, si c'est le cas, on va pouvoir entrer dans cette condition. Donc, exécuter. Donc, et maintenant, on a juste à envoyer ça en broadcast. Donc, maintenant, question. Comment faire un broadcast? Eh bien, j'espérais-vous que l'API est bien faite. Et que tu as de fait pour petit point. Et là, vous avez broadcast message. Pour envoyer un message à tout le monde. Et voilà. Aussi simple que ça. Et là, on met juste notre message. Donc, sb. Tout string. Surtout tout string. Parce que sinon, vous envoyez le string builder. Je vais trop de match. Ça sert à rien. Là, je vous affiche les détails du string builder. Ce qu'on veut pas. On veut vraiment le string. Et en sortant du string builder. Donc, point tout string. Ça fait c'est un string builder. Vous le savez. Voilà. Et donc, maintenant, c'est simple. On a normalement juste à rebuild. Venir ici. Reload. Vous pouvez voir, ça freeze vite fait le jeu quand on veut. Et ensuite, on a juste à tester. Non, pas la pété de Netherite, excusez-moi. On est assez pété de Netherite comme ça. Pété tiré message. Là, du coup, on a juste à mettre un message. Par exemple, yo tout le monde. Et voilà. Et là, on peut voir que ça se met. Vous allez me dire, comment c'est que ce podcast? Bon, il faut reconnecter les autres players. Sauf que là, j'ai qu'un compte, je peux pas tester. Mais bon, si le pays dit que c'est bon. On va dire ça. Je ne peux pas tester, mais il faudrait tester, voir, résoudre. Normalement, il n'y a pas de raison. Disons que de base, c'est toujours poser un message, mais c'est un peu inutile puisque dans le chat tout seul, là, ça le fait. Puis surtout que c'est pour s'envoyer à soi-même, c'est un peu con. C'est pour ça que j'ai voulu utiliser l'option du broadcast. Quand même, c'est un broadcast. Si on voit juste ça, on se dit, bah, c'est juste bizarre, c'est pas marqué que je veux envoyer, mais pas forcément se dire, ah, c'est un broadcast de tout. Voilà. Non. Et bah, du coup, on va régler ça. On va mettre un peu de couleur. Vous voyez bien si ils peuvent mettre des couleurs, vous avez toujours bien vu, vous avez vu assez de chat Minecraft pour savoir qu'il y a des couleurs. Et bah, ben, c'est ce qui répète oui, tous les couleurs de Minecraft code couleur. Et vous prenez pas le lien, mais celui-là pour tomber vraiment sur le bas. Si vous l'avez en description, et vous arrivez ici, je disais comme quoi à gauche, il y a plein de trucs qui peuvent être très très intéressants. Donc, tout ça c'était en aléatoire. Et là, on peut changer de couleur. Du coup, par exemple, on va prendre du rouge donc. Ce logo plus C, je ne sais pas ce que c'est, bref, ce caractère C et celui-ci. Donc un E, on va mettre comme ça. Donc on va dire qu'au tout début du message qui sera envoyé, on met broadcast. Pour pouvoir dire que c'est un broadcast. Et on le met en rouge, donc on met le symbole bizarre. Et ainsi. Et on laisse ça coller. Parce que si on décolle, ça met un espace à ce début ce qui est rouge. Et après, on va mettre un 2 points. Et là, on va mettre le message. Et du coup, on va repasser ça en jaune. Donc de le symbole E, c'est pas là. Et là-dedans, c'est bon, il met le message, et donc à la fin, il sera comme on veut, et ce sera beaucoup plus beau. Et attention, Reload, et on a juste à retester, slash pt, msg, hop, et si on entre, et voilà, le broadcast, il s'est fait. C'est nickel, et donc, on peut revenir ici. Donc, on a déjà fait trois commandes, et maintenant, on peut passer donc à la dernière. Et la dernière, rien de plus simple, c'est la commande. C'est la plus compliquée, excusez-moi, ça me complète. Compliqué, c'est toujours relatif, mais c'est compliqué. Et donc, voilà, ce sera un commande bloc. Donc, on va l'appeler bloc commande logique. Pareil, elle implémente deux commandes d'exécuteur, même si on implémentera d'autres choses après, je vous explique. Customizer implémente méthode. Et dans le plugin tuto, pareil, on doit récupérer quelques commandes. La commande qu'on veut, c'est tuto-bloc.set exécuteur de new bloc commande. Et là, on suppresse le warning, comme ça, et nickel. Même si je crois que rien d'arroba suppresse warning pour le moment, voilà. Mais autant faire avec ce qu'il propose. Bon, ça c'est fait, donc on arrive ici, et on va pas compléter ça, on va déjà fermer. On en a plus besoin, donc très simple, on passe à bloc, donc c'est comme avec la Netherite. Donc après, copier-coller le code de la Netherite, mais autant le taper, ça passe vite. Donc une fois neuf, il faut vérifier que le commande sender est une instance de play et que le joueur
en game mode créatif, on avait dit. Même si on pourrait vérifier sur P, ce sera plus simple, mais je préfère vérifier. Après, vous pouvez vous amuser même à faire qui doit être en créatif et OP. Ça peut être drôle. En mode, non, si on vous souffle, tu ne places pas un bloc que tu veux. Et comme ça, même si c'est OP, mais bon, bref, c'est juste pour l'emmerde. Bon, à la fin de ça, donc, on sait qui est en créatif et qui peut donc passer. Et un bloc sur nos autorités. Même si en survie, vous pouvez faire exécuter ce qu'on vous avez passé. Parce que vous pouvez une visite en vous. Bref. Donc, maintenant, pareil que tout à l'heure, on veut placer le bloc. Sauf que là, attention, il nous faut l'argument. Il va falloir travailler sur l'argument. Et donc, vérifier. Si déjà, il y a l'argument. Parce qu'il peut très bien que la personne qui joue la commande ne sait pas et n'envoie aucun. Oui, il faudrait faire des ELS et dire. Ceci, cela, mais là, on n'est pas là pour ça. Je vous laisse faire, c'est facile. Command sender, point, c'est le message. Dans le ELS, vous faites le message que vous voulez. Point length, donc on demande if. Donc plus grand que 0, parce qu'il faut que ça soit plus grand que 1. Je vous pourrais mettre le directement dedans, mais je le sais pas parce que dans tous les cas, parce que maintenant, il nous faut le matériel correspondant à l'inclus. Matériel M égale matériel. Et là, on veut savoir le matériau. On ne sait pas lequel. On ne sait pas si c'est du mycélium, du crimson stem, du melon, des mushrooms, du papillon. Nous, on ne sait rien. Et ben, on vous demande quel matériau match avec ça. Ah oui, on n'allait pas faire un switch avec tous les trucs. C'est déjà fait pour nous tous. On a juste à lui demander. Et donne-nous le matériau qui s'appelle et du nom de l'argument qui en permette. Donc, argument 0, bien entendu. Ça stocke tous les arguments. C'est une variable. Et voilà. Sauf que, bien entendu, je peux t'envoyer n'importe quoi et qui stoppe. Donc, on refait un if. Et on demande que le matériau est différent de nul. Si il est différent de nul, c'est qu'on a trouvé le matériau. On est arrivé là. On a juste à placer le matériau. Donc, en vérifier, je crois qu'il faut que ça soit un bloc pour qu'il se place. Je ne sais pas sur ce que je raconte. Mais ça voudrait peut-être rajouter un if. Mais on n'est pas là pour ça. Allez. Même si je devrais vérifier, mais c'est plutôt ce qu'il a fait. Donc, des trucs comme ça, je ne vais pas rajouter des trucs trop dans la version. Bon, voilà, vous êtes là pour le. Alors, if. Le if est fait, du coup, on n'a plus qu'à placer. Donc, pareil tout à l'heure. Player.getLocation.getBlock.setType M. Parce que cette fois-ci, ce n'est pas la désorite, mais c'est le matériau qu'on a récupéré ici grâce à l'argument. Et voilà. Et donc, ça c'est fait, et normalement, vous pouvez réexécuter ça et le lancer. Mais après, on va rajouter un truc. Alors, Reload, si on teste. Slash, on veut péter un bloc. On veut péter le bloc Diamond Block. Même si vous direz, ça pète pas le bloc, ça le place. Oui, bon, c'était pour la place, hein, même si c'est pas Diamond Block. Et voilà, la richesse du diamant est présente. Et ça, c'est validé. Par contre, je vais me dire, c'est chiant. On met pété le bloc, mais si on fait un espace, on ne propose pas de mettre d'obsédu, on ne propose pas à de mettre le bloc en question, la liste des blocs, comme avec la commande de base, 7 blocs, d'accord, en avant, mais après, on peut choisir le bloc. Mais là, on peut pas mettre le bloc qu'on veut, c'est honteux. Mais ne vous inquiétez pas, on va régler ce souci. Eh oui, mais pour ça, on veut que quand on appuie sur table, ça complète. Et ben, rien de plus simple. Il faut implémenter un session compliqué, un table completeur. Et oui. Appelle le méthode et hop là. Rien. Bien entendu, c'est comme avec les éditeurs, il faut lui dire utilise-moi celui-là. Sauf qu'on va pas refaire un new de la commande. Si on a besoin de garder de paramètres entre le set exécuteur et le set table completeur qu'on change peut-être entre les deux, ce serait embêtant. Même si là, en l'occurrence, il n'y aura pas vraiment pas besoin. Mais vaut mieux. Et donc. On a juste à faire une variable de ce qu'on veut utiliser, donc bloc commande, et on appelle ça la variable bloc commande, parce que du coup ce sera égal tout simplement à un nouveau bloc commande. Et voilà, et je parle pas de la commande bloc. Et en paramètre, on met le bloc commande, et là en dessous, on va récupérer toute cette ligne, donc on pourra aussi faire une variable de la commande, et on lui dit set, et cette fois-ci tout table completeur. Et du coup, vu qu'il contient aussi l'interface de table completeur, on a juste à passer bloc commande en paramètre. Et voilà, tout ça c'est fait. Maintenant, le table complete, il veut qu'on lui obtienne une liste, donc la liste de ce qu'on peut compléter. Du coup, il nous faut la liste des noms des matériaux. Et bien, l'énumération de matériaux propose presque ça. On propose la liste des matériaux. Maintenant, il faut la transformer en liste de noms de matériaux. Donc, il va falloir une nouvelle liste. Donc, la liste de strings. Et de ça, on va en faire une array list. On va l'appeler L. Et voilà. Et donc là, on a juste à faire for
des matériaux, pourquoi M, deux points, sur toute la liste de matériaux. Donc, de matériaux, point, value. Et là, on va pouvoir le faire. Donc là, on pourrait ajouter directement L.add, M.name, qui donne du coup, M.name. L'empty name de M, de matériaux, qui donne du coup, de matériaux, et on ajoute du coup, là, on pourrait faire ça. Mais le problème, c'est qu'on recherche, on va faire exemple 6, clair. Et si vous faites un set bloc, vous cherchez Acacia, il va proposer tout ce qui est Acacia. Bon, même les trucs qui contient le Acacia. Mais en tout, bon, là, nous, on va pas se faire sa tête, on va juste afficher les mots qui contiennent ce qu'on cherche. Parce que ça, beaucoup mieux. Et ressemblant à ce qu'on veut. Donc, pour ça, il faut d'abord vérifier est-ce que l'argument existe. Prenons que 0. Donc, si c'est plus grand que 0, on va regarder l'argument si match. Si c'est pas plus grand que 0, c'est qu'il n'y a pas d'argument. Donc, s'il n'y a pas d'argument, c'est qu'on peut automatiquement l'ajouter. Donc, n.name, comme vous dites. Et voilà. En revanche, ici, si c'est plus grand que 0, il faut savoir si. On va faire un if, même si on aurait pu le mettre là, si à côté on voit end. Et bien, on doit. Je crois qu'il va falloir aussi un else dedans. Parce que là, si c'était un if dedans, on n'aurait pas pu. Si on mettait un if ici, et ben les deux auraient été vrais. Et si on avait deux qui pas faux, on l'ajoutait pas. Enfin, on l'ajoutait dans tous les cas. Alors que là, on l'ajoute que si, il y a ça. Fallait vraiment se parler. Ensuite, du coup, on demande juste si le nom du matériau contient. Ou on peut aussi faire start si vous voulez vraiment que ça démarre ça. Mais là, je veux juste ça contient. Donc, content. Start wait. Je sais pas comment j'ai le mot. À la méthode. Et du coup, on demande s'il contient tout simplement l'argument 0. Et voilà. Et s'il contient l'argument 0, on peut faire un L.add de M.name. Et ça, c'est validé. Et normalement, on a juste à le retourner, surtout de ne pas oublier le return. Sinon, on a fait tout ça rien. Plus tard, si on utilise, vous avez fait gaffe, vous mettez ça en danger en mode hey, tu l'as fait, tu l'as rempli, mais tu ne l'utilises pas. Ça fait un peu rien. Et voilà. Et donc là, vous rebuild, comme ça il refait votre point jar. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais vous aurez pu vérifier dans plugin qu'est-ce que vous avez bien. Ensuite, vous revenez, vous reloadez. Et une fois que c'est reload, on peut tester. Bon, là, on va pas tester avec ça parce que ça, c'est pas ce qu'on veut. On veut notre code slash cette bloc. Non, pas cette bloc, excusez-moi. Péter un bloc. Même si on pète pas le bloc, on le place. Mais c'est pas grave. Et là, vous voyez, on a tous les. Bon, d'accord, c'est pas comme quand même je propose, mais on a la liste. Et c'est ça qui est génial. Et grâce à ça, on a juste à récupérer ce qu'on veut. Et donc là, en l'occurrence, on veut, on va dire, de la redstone. R-E-D-S-T. Et voilà. On a des pièces redstone pour le premier. On pourrait s'amuser à switch ça. C'est pas pareil. Mais on n'est pas comme ça. C'est assez facile. Enfin, assez facile. Et donc là, par exemple, on veut, je ne sais pas, une redstone lamp. Et voilà. Plus simple à rechercher et beaucoup mieux. Voilà, c'est juste pour montrer. Le temps complete maintenant, ça va être la tuto, mais juste avant, je vais montrer un truc. Et là, le souci en termes de programme, bien sûr, on a fini. Donc, vous pouvez fermer Intellid ou laisser ouvert si vous voulez construire un truc, bien entendu, à vous de voir. Et même le reste, si vous avez juste voulu, c'est juste pour vous dire. Mais je vous conseille de continuer à vous exercer pour mieux comprendre l'utilisation de bruit. Pas comment créer un bruit. Bon, sinon, n'hésitez pas si vous avez dit, s'il faut ceci, cela, à toujours bien citer la documentation. D'ailleurs, pareil, le lien est dans la description. Du coup, pour la documentation, vous avez juste à marquer petit plugin doc et hop là. Et là, vous y accédez à la documentation. Et vous avez juste ici un search pour chercher. Par exemple, material. Et là, vous avez la liste complète des matériaux. C'est une. Enfin, non, pas les templates. Parce que là, vous me direz, c'est pas exactement comme vous. Là, on a plein de brosses à tête et on n'a pas tout. Ce qui est pas normal. Ce que je n'ai pas compris non plus. Mais mineur de package, mais si je vais dans classe, je vais prendre une package, mais là je sais pas, c'est un peu bizarre, mais normalement il devrait être bien fait, ce qui est un peu bizarre, mais toutefois vous pouvez toujours au pire des cas, si on pense pas exactement ce que je fais moi toujours à chaque fois au lieu de aller non, mais il doit avoir moyen, c'est entre le plugin, donc peut-être même après on s'en fonctionne pour ajouter ce que vous cherchez. Donc là, une documentation sur matériel et on clique et tadam, on a toute la documentation. Et c'est pas mal. À l'utile. D'ailleurs, on a même des informations des datas. Ce qui peut être très utile. Notamment de savoir que ce bloc est orientable. Ah, bah ça peut être utile pour cette. Notamment, ça sera utile dans mon plugin que je continue à rien. Un de ces jours, ça pourrait être utile de bien préciser. J'ai déjà plus ou moins prévu pour utiliser ça.
Je peux en parler, mais d'ailleurs, on va en profiter. Si vous cherchez un plugin pour créer des pixel art à partir d'images, n'hésitez pas à aller télécharger mon plugin Pixel Artisan. Ça, c'est le lien, il est aussi disponible dans la description, c'est sur mon GitHub. Et vous cherchez juste.gr et vous le mettez dans le dossier ici. Et vous reloadez s'il y a besoin ou restartez si vraiment vous voulez start. Mais normalement, reload suffira. Et vous pourrez utiliser mon plugin pour faire des pixel art. Bien sûr, il existait avant des autres versions, des autres plugins qui faisaient ça. Mais le problème, je suis juste avant, par exemple, je crois que c'est Printer. Mais c'est pas pour faire de mauvaise pub, mais c'est juste qu'en fait, il passait de l'herbe. Alors que l'herbe, il est considéré comme grise, puisque le bloc de section de base est gris, mais il rajoute par-dessus Minecraft sur la couleur. Et en fait, ce qui n'allait pas du tout. Ou il mettait des TNT à côté de Redstone, ou plein de trucs comme ça, ou il mettait des trucs genre des cakes, alors que c'est pas un bloc complet, ce qui est très chiant. Enfin, pour revenir. Bon, bref, je vous raconte. Envie, mais voilà pourquoi je me mets à créer un plugin. Et voilà. Et là, vous avez toutes les informations sur l'ennemi, je vous laisse lire. Voilà, du coup, là, c'est la fin du tuto. J'espère que ça vous aura plu. Au revoir. Et ouais.